Bon matin! Alors, désolée, hier, je n'ai pas filmé. Je m'en excuse sincèrement. J'ai juste fait le taxi toute la journée, puis ça aurait été plate pour vous. Mais en tout cas, je vais vous expliquer ça. Fait que c'est ça, dans le fond, hier, les enfants allaient aux ateliers et aussi à l'école. Fred, il travaillait, mais dans le fond, c'était comme le dîner de Noël, si on veut, puis les officiers, Fred est officier, c'était eux qui servaient les membres du rang, fait qu'il fallait comme qu'ils soient là pour préparer la salle puis tout. Puis il a fini vers 2h30, à peu près, de travailler, quelque chose comme ça, 2h40 en tout cas. Fait que c'est ça, puis le matin, finalement, j'ai refait de faire mes ongles parce que j'étais pas satisfaite de ce que je m'étais faite là, puis je voulais vraiment avoir du Bourgogne. Puis là, dans le fond, c'était comme un conflit d'horaire avec la fille qui me fait les ongles là. Parce que c'est vraiment tough ça, faire les ongles soi-même. Puis j'aimais pas le gel que je me suis acheté là, tu sais, c'était vraiment pour me dépanner parce que ça fitait pas comme, parce que c'est ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Son auto a arrêté de fonctionner comme sur l'autoroute. Fait que là, elle m'écrit, et comme je vais être en retard, genre mon auto est sur le bord d'autoroute, ça a arrêté de fonctionner. Je suis comme, ben là, t'es où? Je vais aller t'aider, tu sais. Fait que je suis sortie, je suis allée dans le cabanon en arrière, je suis allée chercher ma tank, là, genre pour mettre de l'essence. Je suis allée chercher de l'essence, je suis allée prendre comme la sortie après la sortie qu'elle était. Et en tout cas, j'ai viré pour en revenir dans l'autre sens, parce que dans le fond, elle s'en venait vers ici, puis moi, je m'en allais vers là-bas. Fait que, en tout cas, ça a été toute une épopée. Puis après ça, ben, on est venu ici. Puis là, elle m'a fait les ongles. Elle a fini vers, je sais pas, peut-être une heure à peu près, de me voir les ongles. Puis après ça, vers une heure et demie, comme moi, je suis allée. Je crois, une heure et demie. Je me suis commandé quelque chose à manger parce que là, j'avais pas encore mangé. Fait que je suis allée me le chercher chez Saint-Hubert. Là. J'ai pris comme commande à emporter. Fait que c'est ça, dans le fond, je suis allée me chercher à manger. Je suis revenue ici. Puis là, Fred, il m'a dit qu'il était prêt. Fait que là, je suis allée chercher Fred. Après ça, je suis allée chercher Florence. Je suis allée poster quelque chose. Après ça, on est allé chercher Annabelle, les garçons. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, c'était pas trop intéressant la journée d'hier. Fait que là, aujourd'hui, Fred est fini à midi. Oui, attends un petit peu, ok? Fred est fini à midi, puis après le dîner, j'aimerais ça qu'on aille chez Costco chercher des trucs qui nous manquent. Entre autres, des couches, du papier de toilette, ces affaires-là. Se préparer un petit peu pour Noël aussi. Faut qu'on achète des patates pour faire nos beignes aux patates. Probablement en fin de semaine ou la semaine prochaine, on va voir. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, dans le fond, j'ai monté le vlog. Comme, j'ai filmé un petit peu hier soir, puis la journée d'avant, j'ai filmé. Fait que je vais monter ça. Ça va être ma... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vas-y, Oli. 1, 2, 3. On devrait sentir les pauses, on commence à se réchauffer. Ali fait mon programme d'entraînement. On voit pas full, là, mais c'est le DVD de Karine Larose en forme et enceinte. Là. Enceinte et en forme. Voilà. Je vais recevoir ma boîte Good Food. C'est mon dernier, ma dernière boîte parce qu'après ça, je me désabonne. Fait qu'on va faire du bœuf et nouilles de Shanghai sauté, du rôti de porc avec purée de pommes de terre. Paella aux crevettes, poulet poêlé et salade hivernale d'orge. Ça va être super bon. Coucou! Alors, on est allé chez Costco cet après-midi, puis on vient juste de revenir d'aller chercher les filles à l'école. Puis je m'apprête à faire la paella aux crevettes. Donc, je viens de mettre mon riz dans une casserole pour
faire venir à ébullition. Et là, je vais couper mes légumes. Puis ensuite, je vais faire la sauce. Puis ensuite, mettre les crevettes. Puis ensuite, tout, tout mélanger. Ça prend 30 minutes, supposément, puis 4 heures. Fait qu'on va manger quand même assez tôt, jour. Mais les filles ont une disco de Noël ce soir. Fait que c'est ça. Donc, je me mets à la tâche.